Alors salut les gars, on se met direct dans l'ambiance, on n'attend pas, je suis déjà sous peignoir et tout. Juste pour vous dire que là, la vidéo... Actuellement on est dans le meilleur hôtel Disney, 5 étoiles, il a été tout rénové, on va aller voir ça ensemble. Juste après, voilà, on va faire le tour comme ça et tout et on va visiter. Et je pense qu'il y a Flan qui va m'aider à filmer. La petite porte qu'on ouvre, et là, attends, je vais pas tout vous montrer. On est dans l'hôtel 5 étoiles. Voilà. La petite salle de bain, tranquillou, et je sais pas si vous voyez, mais il y a des refs en fait à chaque fois de partout. Là c'est les 7 nains, par exemple sur le miroir, de partout. Ici nous avons les toilettes, un bien de fou. Et là quand on avance, on a la putain de pièce. La putain de pièce avec chaque tableau où c'est une représentation de, d'un film. C'est une dinguerie, et regardez la télé. Une dinguerie. Ici, bien évidemment, on a tout au petit soin. On a tout. Regardez la cafetière, frère. Non, c'est une dinguerie. Tout est bien. Là, il y a miroir de princesse. Et écoutez, ici, si vous écoutez bien, il y a la musique du parc Disney parce qu'on est vraiment dans le parc, en fait. Et là, si vous regardez bien, le parc, tout le parc, c'est une dinguerie. Je suis trop content d'être ici. Tu vas m'aider à filmer tout à l'heure? Ouais. Non mais tout est Disney, frère, regarde. Là j'ai des petites pantoufles et tout Disney. Regardez comment c'est beau et tout. Non mais ça, j'ai mis un truc de l'hôtel. Non, c'est trop. Tu sais ce qui s'est passé? Non. J'ouvre mon sac. Ils ont balancé mon sac et tout. Tu sais, ils ont balancé mon sac Disney. Ça sent le parfum. Ouais. Ma nouvelle bouteille de parfum s'est vidée. Non mais c'est dingue. Hein? Tout... Ouais, tu peux leur dire peut-être qu'ils... Après, et je sais pas s'ils peuvent le faire avec, mais... Voilà, non mais là, la télé aussi, non, c'est une dinguerie dans le truc et tout. Après, c'est bien ce genre de télé, mais genre, il y a plein de reflets. Écoute, la musique, c'est 2013, là. Martin Garrix. Et il y a de la musique au fond. T'as vu, à chaque fois, il y a des refs et tout, là, il y a les 7 nains. Mais fort, pas très fort, moi. Ah, putain, ils ont limité. Ils ont limité. C'est quoi ce drop? On a la vie de Martin Garrix, là. Attends, laisse-toi faire. Arrête, je suis désolé. Dinguerie en fait. Dinguerie. Ok, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va aller visiter. On va aller visiter le. L'hôtel. Elle vous emmène avec moi. C'est des longs couloirs comme ça. Ouais, c'est un peu gênant parce qu'il y a des gens, du coup, c'est pas. C'est bizarre. Quoi. Et courez pas. Florent. Vous savez pour combien on en a eu pour le restaurant? Ils ont la note. Dis 600 euros, frère. 600 euros, on a mangé des cacahuètes. Non, on a bien mangé, mais quoi? Mais c'est n'importe quoi. On est pas dans le. En plus, c'est que tu vas à côté du restaurant à côté, tu multiplies par deux. On multiplie par deux? Ouais. Oh, non, c'est trop. Il est magnifique. Non, on est d'accord, c'était pas le meilleur du fond. Avant, je dis, on peut réserver pour demain à cet endroit-là. Ouais. Quand on a fait le prix. Ouais, non, mais ouais. Non, on le fera pas une deuxième fois. 600 euros, putain. Et en fait, c'était dont TVA. Et là, j'ai vu que c'était un code, en fait. Tu sais, là, une référence. C'est quoi la TVA? Et après, quand j'ai vu sur le lecteur carte bleue qui disait vous pouvez taper votre code et que j'ai vu qu'il y avait écrit 600, il m'a dit le gars, je vous offre les cafés. Mais t'as payé un loyer là. Ne vois bien si je me l'offre les cafés. Non, mais c'est quoi ça? Mais t'as payé un loyer là dans. Regardez là, regardez comment c'est magnifique. Attends. Combien à votre avis le resto? Combien? Là? Ouais, allez. En vrai, attends, vas-y. On part à un resto à Lyon, tout ça. Ouais. Ouais, j'arrive 300. Moi j'arrive 300. T'as vu? Jules, il est plus. C'est le plus proche, Jules, mais c'est plus encore.
550. Plus. C'est le resto, frère. Mais non, mais c'est... Et le mec, il ose dire, on vous offre le café. Bah ouais. Non, mais c'est quoi, ça? Là, c'est trop stylé. C'est, mais c'est stylé. Tout est stylé dans cet hôtel, forcément. Si les déjeuners coûtent 100 euros, bordel. Attends, je vais vous filmer. Putain, je suis en pantoufle encore. Juste filmer un truc. Regardez-moi comment c'est joli. L'hôtel, il est magnifique. Non, l'hôtel, il est magnifique. Y a rien à dire. Putain, c'est joli, hein. Un flanc. C'est joli. Putain, ils vont. Ils sont en train de regarder s'il y a le. Essayer de trouver s'il y a des trucs dans l'hôtel. On est là. Et elle est. Elle est là. Attends, mais y a pas d'hôtel de sport. Elle est ouest, elle est sur notre aile. Elle est là. Elle est... Ouais, oui, ouais, y a plein d'enfants. Non, là-bas, y a rien. Et il est où, faut que... Ces couloirs, tous ces couloirs et tout. C'est trop trop beau, je sais pas trop quoi dire. Parc, c'est magnifique. Non, l'ascenseur, il est trop beau, regardez, non mais... Tout. Je sais pas quoi dire hein, à part filmer un hôtel. Non, c'est trop beau. Ah. Ils l'ont rénové, je crois qu'il est... C'est dégueulasse. Oh, les trucs secrets là, il y a un spa, il y a des health clubs. J'ai le droit d'aller à ce soir. Tu crois que t'en vas pas là? Ouais. Attends, c'est quoi ça? Royal Kids. Attends, mais c'est pour les enfants là. Où t'as vu Royal Kids? Il y a des Royal Kids Club. Attends, non, c'est trop crap. Mais attends, mais wesh, il y a des bibliothèques. Oh waouh! Oh waouh! Oh waouh! Oh, la salle elle est neuve! Mais non, mais je viens. Ne tombe pas! Le point en diamant! Oh, le point il est en diamant! Wesh, les toolies, il est pas. Ah, t'as pas ça, Basic Fit! Je ne vais pas filmer. Je sais pas faire! Ouais, non. Mais frère, mais c'est trop lourd. Non, mais j'ai pas envie de me blesser. Pour combien t'ouvres le yoga? Hein? Zéro, moi, je sais. Mais je te jure, j'ai envie de pas, j'ai envie d'aller faire une séance. Ça marche pas. Yes. Putain, j'ai perdu le bain. Mais... Quoi? Yoga. Ouais. Vas-y, lance. Oh ça va, la 6, ça va la bombe. Regarde, écoutez juste le bruit de la 6. Oh, voilà, ça va, c'est ça. Mais je suis sur la caméra ou quoi? Oui. On fait du yoga alors. Je devrais dormir. Tu vois, y'a pas ce qu'il y a personne. Tu prends un double. C'est quoi, c'est un spa? Ouais. Oh, c'est un dinguerie. Qui est-ce là? Putain, mais il lâche des caissages dans le 4. Ils sont pas. Oh, c'est un cul. Oh, c'est un cul. Frère. Oh putain de merde. Mais il me dit qu'il. On a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va se poser, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Magic Pass. Je crois que c'est là. Bon, oh, vas-y, regarde. Tiens, pour nous. Putain, moi je voulais finir. Ah, c'est trop beau, c'est super beau. On va penser que je suis un youtubeur avec ma cam comme ça, tu sais qu'il est que 20h. Hein. Je suis un youtubeur. Voilà notre palace, frère.
En tout cas, on va se laisser sur cette vidéo. Moi, j'ai kiffé. Je vais vous faire partager, voilà, une petite expérience. Moi, le but sur YouTube, c'est vraiment que je poste un max de trucs, voilà, mes expériences. Et comme ça, plus tard, quand je vais regarder, je me dirai, putain, j'ai fait ça. C'était trop bien et tout, machin. Et ce sera un peu comme une machine à remonter le temps, YouTube. Et puis, peut-être mes enfants verront ça, hein, si j'ai des enfants. Qu'est-ce que t'en penses? Fatigué. T'as kiffé, tu kiffes là, dans l'hôtel? Ouais, plus que toi. Non, moi je kiffe. Ah, va faire un coulo. Allez, bisous, ciao! Flo.